Comment ça va aujourd'hui? Très bien, on espère que vous allez très bien vous aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien, on est où aujourd'hui? Là on est à Walligator. Au parc d'attractions Walligator, effectivement dans le nord-est de la France. On est que tous les deux. Oui, c'est ça. Oui, là on n'est plus que tous les deux parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les sensations fortes. Oui, les attractions pour Néo et interdites à Swan. On commence par quoi? L'anaconda. L'anaconda. Alors l'anaconda c'est ça. Enfin c'est ça. Là on voit le serpent. Je vais vous le montrer autrement les copains et les copines parce que là on est à contre-jour. Voilà, là on y voit mieux. L'anaconda c'est ça. Enfin ça c'est juste l'entrée de l'attraction hein. Donc là on va passer sous cet arbre géant, on va rentrer et on va découvrir cette fameuse attraction. Allez on est parti, donc pour accéder à l'anaconda on a tout un parcours à faire sous les arbres, que plutôt agréable quand même hein. On a beaucoup de chance, il fait un temps magnifique. Alors rassurez-vous bien sûr les copains, les copines, Swan n'est pas seul hein. Il est tout simplement avec son papa en train de faire les attractions de son âge. Est-ce que ça veut dire qu'on monte sur un serpent? Je pense, oui. L'anaconda, c'est ça. Donc c'est un parcours en bois. Je pense que ça va faire un petit peu de bruit. Et ça devrait aller un petit peu vite. Bon, on va voir. On l'entend arriver. Ah ouais! Ça a l'air très sympa. C'est bon, t'as la GoPro? T'es devant? Allez, je viens aussi. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, on y go. Allez, pour l'instant, on grimpe. Ça va? Ouais, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Attention, là, allez, on est bientôt en haut. Arthur, il y a le drapeau. Avec la caméra à la main,
J'ai la main qui est complètement agrippée dessus. Là, c'est bon. Elle est encastrée dans le manche de la caméra. Alors, c'était comment? Très bien, ça va. Ça va, hein? Ouais. Ça réveille bien, hein? Ça va super vite. Ouais, maintenant, je suis échauffée pour faire les plus grandes. Ah, c'est l'échauffement, l'anaconda. Ouais, allez, on va voir si on peut faire pire. Et petite photo à la sortie de l'attraction. Alors on passe à la vitesse supérieure avec l'attraction Comet. Donc Comet, c'est ça. Il y a des loopings, plein de boucles et ça a l'air d'aller assez vite quand même. Hein. C'est bon Néo, t'as peur? Oui, c'est bon. Oh, elle est même pas peur. L'entrée là-bas. J'ai bien compris que tu voulais pas y aller en fait. Dans l'attraction précédente, Néo était équipé avec la GoPro, mais ça n'a servi à rien. Puisque finalement j'ai pu garder ma caméra et la tenir tout du long. Là par contre ça va pas être possible, il y a des loopings. Hein. Là, ce n'est pas envisageable. Donc cette fois-ci c'est Néo qui filme avec la GoPro en harnais et on va ranger cette caméra là. On se retrouve peut-être dans un petit instant. T'es prêt? Yes. Allez, top départ. On va voir qui crie le plus fort. Concours. En général c'est moi qui gagne ce jeu. Une petite descente. Bon là pour l'instant tout va bien. J'ai l'impression que ça va aller moins bien là. Ah bon? Ah ouais. Alors Néo, tes impressions pour cette Comet? Ça va, c'est bien. Ça a l'air? Oui, ça va. Pas trop la tête en bas quand même? Ah, un petit peu. Ouais, ça se coupe bien. Enfin, ça va pas super vite, mais vraiment, on fait des tourbillons quoi. Vraiment, ouais, on tourne. C'était sympa. Très bien. Ouais. Continue? On continue. Allez, on enchaîne. Alors la prochaine attraction que nous allons tester, c'est celle-ci. C'est l'attraction Geloc. T'es prêt? Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien? Donc là, évidemment, je ne vais pas pouvoir conserver la caméra à main. Donc de nouveau, ce sera la GoPro sur Néo avec le harnais. Alors pour accéder à l'attraction, nous passons dans le centre de la Terre. Je crois que c'est par là, non? Ouais. Voilà, ça nous met déjà en condition. Oh, c'est joli, dis donc. Très, très sympa. Allez, on continue. Et nous y voilà. Oula. Allez, on est parti. Oula. Ouais, ça commence bien. Ça va? Ah, on est à l'envers. Ça va bien? Ouais, ça va. Wouhou! Ça fait bizarre. Si, hein. Oh là là. Ah, ça me
Alors, c'était comment? Très bien. Par contre, là, ouais, ça fait mal au cœur, hein. Ah ouais. Une bonne nausée, là, quand même. La tête en bas, après, on a été brassés. Ah, je te propose ça pour te remettre, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ça devrait aller. Ouais, space shoot. Oh, allez, c'est cool. Apparemment, on va monter très vite et on va redescendre. C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, go. C'est bon, tu t'installes? Allez, je me mets à côté de toi. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Respire un fond, hein. Allez, que la fête commence. Ça va? Oh. Waouh! Oh, ça réveille, hein? Oh, comme vous allez vite, vous avez vu. Alors voilà, on vient de monter et redescendre tout ça. Ça va? Ça va. Ça va, hein? On était bien secoués quand même, hein? On papotait tranquillement avec les abonnés rencontrés dans la file d'attente. On leur faisait des coucous, tout ça, parce qu'ils passaient juste après. Et là, on n'avait plus envie de dire coucou, là. On a été bien, bien réveillés, là. Est-ce que t'es prêt à faire maintenant le monster? Le monster? Ouais. On nous a dit que c'était la plus grosse attraction du parc. On l'a gardée pour la fin. C'est parti, on va faire monster. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Le voilà, le monster. Alors, effectivement, il y a l'air d'y avoir un petit peu de mouvement. Et là, on est donc suspendu uniquement par le haut du corps. On a les pieds dans le vide. On avait déjà fait ça au parc Astérix avec l'attraction Osiris. Et en général, ça fait des sensations de folie. Allez, on va voir ça. L'attraction est absolument immense. Regardez les copains et les copines. Elle va jusque là-bas. Il y a des virages de folie. Oh là là, il y a même un looping. On y va? Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. On va monter là-dedans dans quelques minutes. Et donc là, bien sûr, on range la casquette, les solaires, la caméra à main et on garde uniquement la GoPro en harnais. Et voilà ce que ça donne. Ça crie fort quand même à l'intérieur, hein. Waouh. Comme ça remue. Allez, ça va être à nous là. Merci. Merci. Ouais, là ça va, je suis bien accrochée. Attention, on est parti. Ouais. T'es prêt? Wouhou là. Let's go. Descente et la boucle, ça va? Attention.
Ouais. Tu jures? Ouais. Ouh. Oh, c'est une attraction de folie. Ah ouais, là. Ah, c'était juste dingue. Complètement dingue. Ouais. T'es sonné, hein? Ah, ouais, là. Ah, les copains, les copines, on espère que la vidéo a marché. Parce que si ça n'a pas marché, je ne sais pas si nous allons remonter dans l'attraction tout de suite pour refaire un plan. Hein. Là, vraiment. T'es prêt, on le refait? Non. Non, non. Eh, c'est de la folie, là. Je crois qu'on n'a jamais fait une attraction comme ça. Pour le moment. Oh, c'est la folie, hein. On a l'impression vraiment qu'on nous jette dans le vide. C'est... Faut le vivre. Faut le vivre. Mais vraiment, ça fait des sensations super fortes. Mais c'est fluide en même temps. C'est fluide, on n'est pas... Ouais, c'est une super bonne attraction. On a pas mal à la tête ou nulle part. On est bien, mais alors on a vraiment des sensations super fortes. T'es content de l'avoir fait? Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup de garder celle-là pour la fin. Allez, maintenant on va descendre. Il y a pas mal d'abonnés qui nous ont encouragés pendant qu'on était dans l'attraction et qui nous attendent à la sortie. On va les retrouver. Alors voilà, le comité d'accueil pour Néo. Bonjour. Alors le monster c'est bien? Ouais, mais waouh. C'est pas mal les sensations. C'est pas mal, effectivement. Hein. Bon alors Néo est pris d'assaut. On le retrouvera tout à l'heure, je pense, peut-être. Eh ben, on voit plus Néo. Ah, ça y est. Vous regardez quelle chaîne? Il y a encore des photos, voilà. Voilà. Swan a pris quelques centimètres et c'est bon. Parfait. C'est un grand maintenant. Voilà. Le salut des artistes. C'est la fin des sensations fortes pour Néo et du coup, on a petit Swan qui nous a rejoint. Alors, ça a été toi aussi, Swan? Oh oui. Oh bon, oui, t'as fait plein de choses avec papa. Et toi, Néo, alors? Ces sensations fortes. Ça va. Qu'est-ce que t'as préféré sur les 5 attractions qu'on a faites? Monster. Le Monster? Ouais. La plus impressionnante, mais t'as préféré aussi? Ouais, c'est ça. Waouh, c'est vrai que ça décoiffait quand même, hein. Et l'accueil des abonnés à la fin? Ah, ça aussi, j'ai vraiment adoré. C'était sympa comme tout, hein. Ouais, ils étaient très très cool, ça nous a fait bien plaisir. Les copains et les copines, quelle est l'attraction que vous avez préférée? Le commentaire. Pensez-vous. Ouais, bien. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les gloubines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. Vous le gros. Bisous. On vous salue. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Tu sais qu'il y a un mouvement très marrant, c'est ça. D'accord, petit cœur. Le parc est d'accord pour que tu refasses les 5 attractions tout de suite maintenant. Oh, bah oui, maintenant que le parc est fermé. C'est bon, t'es d'accord? On commence par le monster? Non. Allez.